Jones and the fighting Trojans meet at the Bay Beach to feel emotion. The Zipper, yeah, the Zipper Pipper. It'll zip you to the left, zip you to the right, Zipper Pipper. Clickety clack up the hill you climb, then drop you like a meteor out of the sky. Zipper Pipper. Salut, salut. On va passer sur un truc un peu plus chill. Voilà, voilà. Et un peu moins fort aussi. Allez-y, c'est pour vous stimuler, bon. Oh. Merci beaucoup, Jidan. Salut, salut. Quelle entrée. Mais quelle entrée. Merci beaucoup pour ton resub. Ça fait super plaisir. J'espère que tu vas bien. Alors moi, je suis reposé, comme tu peux l'imaginer, parce que, en fait... C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis un tantinet décalé dans mes horaires. Voilà. Ah bon ? Voilà, voilà. Donc j'ai fait une petite sieste réparatrice. Eh bien, écoute, voilà, j'ai lancé le Just Chatting. Je crois que c'est une des premières fois que je le lance parce que je me tâte, j'ai plusieurs envies et sur le moment, je m'étais dit qu'est-ce que je vais faire. Ben, je vais lancer le stream et puis après, je verrai. Je crois que je vais commencer par m'échauffer avec une petite game d'Age of Empires. Oui, je sais, je sais. T'as goûté le gâteau pour la nif de Balou ? Il paraît qu'ils étaient très bons. Et du gâteau au beurre et du gâteau au citron. XP sur Mordo. C'est une possibilité. Mais j'ai quand même très envie de faire un petit Age of Empires. Fait un moment. Quitte à me faire rouster. Donc je vais commencer par un petit Age of Empires. Si ça ne vous fait rien. Puis on verra pour la suite. Enfin, une game de Age of Empires, et puis on va... En fait, j'ai des trucs en stock, je vous avais promis la semaine dernière que cette semaine-ci, je vous ferai deux découvertes, donc je peux aussi vous faire une de ces deux découvertes, c'est vrai que c'est une possibilité aussi. Mais on va commencer par faire une petite Age of, et du coup, je vais modifier le titre du stream. Bon appétit, en fait. Ah, le roguelike. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. Une petite game d'Age of, une seule. Et ensuite, je vous montre le roguelike. On va faire ça. Donc, tac. Et modifier les infos du stream. On va passer sur du Age of Empire. Et je vais faire deux retours pour un live pépouze. Mais en avant, je vais quand même mettre 1v1 ladder. Voilà. Ok, ça c'est fait. Je prends un bain dans une game d'Age of. Ok. Mesdames et messieurs, on va couper la musique d'ambiance, la magnifique musique d'ambiance, désolé. Et on va passer sur Age of Empire. Age of Empire 2. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ouais, je vous avais perdu, mais ça va, je vous ai retrouvé. Ça fait longtemps, mine de rien. C'est rare quand je dépose aussi longue. Mais pour tout vous avouer, samedi, on devait streamer. Et j'étais claqué, j'ai pas entendu mon réveil, je me suis réveillé une heure en retard. Donc on n'a pas pu faire le stream qui était prévu. Dimanche, je me suis dit en revenant de mes nuits que j'avais envie de streamer, mais j'étais claqué, je me suis réveillé tard aussi, donc pas possible. Hier, rebelote. Mais rebelote moitié assumé quoi, rebelote en mode je m'y attendais, c'est pas grave et j'avais compris que j'attendrais la fin de mes nuits avant de faire des streams corrects. Option. il me faudrait un son Astérix et le coup du menhir option. Voilà. Multijoueur classé
Et on va faire du coup ces bons vieux vikings. Il faudrait un jour quand même que je craque l'extension. Enfin, que je craque mon slip en mode que je paye l'extension et tester un peu les Siciliens et les Bourguignons. Pour être sympa. Mais je crois que c'est quand même 10 balles, un truc comme ça. Après, voilà, ça a l'air d'être propre, hein, mais c'est juste deux civilisations en plus dans un jeu qui en a déjà 12, 13, 20, je sais plus. Ouais, on va laisser comme ça. Hein. C'est parti. On va pas mettre Archipel en favori, bien qu'on soit viking, parce que je ne suis pas spécialement un très bon joueur sur l'eau. Même si j'aime les vikings, je connais pas encore bien mon BO naval, je veux dire. Pam, 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 pam. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il est très tard. Mais j'avais très, 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 très envie de streamer aujourd'hui. La carte forêt côtière, je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Enfin, visiblement, il y a les bases, puis une grosse forêt, et puis un petit bout de côte, avec peut-être de la poiscaille. Ce qui peut-être avantagerait ceux qui sont au bord. Enfin, là, on parle de 1v1, donc je suppose qu'il y a un là, un là. Est-ce qu'on peut s'atteindre ou est-ce qu'on est vraiment enclavé dans une forêt? Je sais pas. Je suppose qu'on peut s'atteindre un peu en mode forêt noire. Je connais pas du tout cette map. Pa 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 ra pa 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 ra pa pa. Ah, Jidan, en tout cas, j'ai très très hâte de continuer notre Donkey Kong Country 2, hein. J'ai pris beaucoup de plaisir la dernière fois, même si on n'a pas beaucoup avancé, on a bien rigolé. Et on a un peu avancé, mine de rien, vers les 102%. Il faut que je vérifie un truc. Vite. Tant qu'il n'y a pas de... Ouais. Voyons voir. Tac. Attendez, je vais mettre en reel. Ah non, il faut que j'ouvre Discord pour ça. Aïe, 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 tant pis. J'ai envoyé un message à un pote sur Discord et c'est relativement sa réponse est relativement importante par rapport à mon planning et j'ai pas pris la peine de voir de regarder s'il m'avait répondu donc je vais vite voir via mon GSM s'il a répondu. Et voilà, de retour. Alors, voyons voir si il nous a répondu. Paripapoum. Ce serait drôle de... Je crois que c'est possible. Je viens d'avoir un flash d'un truc ignoble à faire. Vraiment ignoble, hein. Mais à tester une fois. Émuler le Age of Empires 2 sur PlayStation 2. Et faire une partie à la manette. Ce serait tellement ignoble. Ah, Arabi, c'est le moment, tiens, je check, bon. Allez, ah tant pis, je reste plus tard, c'est pas urgent. On est contre les Francs, Vikings contre Francs, eh ben ça tombe bien. Moi qui aime bien la série Viking. Viking contre Francs. Allez, on va en chasse. On se met en chasse et on fait main basse sur des moutons. Un peu moins. 1, 2, 3, 4 villageois. Avec elle, ça fait 5. Et le 6ème arrive. Le suivant fera du bois. Fera du bois ou ça là-bas, je crois. Voilà, il va faire du bois là-bas. Où là-bas? Ouais, là-bas, ça a l'air bien là-bas. Ouais, elle va faire du bois là. Tac, tac, tac. Voilà. Et le suivant, on va l'aider. Allez, tac. Ah, mais il n'y a pas de suivant, quel débile. Là, ça va. Ça va, on n'était pas trop en retard pour cliquer, je crois. On a notre sanglier qui est là, comme ça fait 4 jours que j'ai pas streamé, je ne peux pas m'en empêcher. Tu es maintenant un sanglier. Oui. Un sanglier. Vous pouvez en allumer un seul à la fois. Silence. Hop là.
Tac. Hop là. Et on continue la production de villageois. Il nous faut 4 bûcherons. 4 bûcherons. Et ensuite, on partira sur autre chose. Ok. Et quand je dis autre chose, je veux dire de la bouffe. Donc des baies, bon, il y a le moulin qui est là. Donc, les 2 sangliers sont là. Il nous manque juste des moutons. Hein. Normalement, il y a encore 2 couples de moutons qu'on doit trouver. Parce que toujours par 2, ils vont bien évidemment. Ah, ça ne va pas. Hein. Des gens qui ne font rien, n'aiment pas ça. Ça me fait penser que avec le froid de canard qu'on a chez nous, en ce moment, on a du moins 8, moins 10 degrés, je crois. Et j'ai pas souvenir d'avoir eu un froid aussi costaud. Donc je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, d'un point de vue thématique, pour tester Frostpunk. Ça pourrait être rigolo. Bon, on a 5 bûcherons, ça ne va pas. Tac, donc on va faire un moulin. Un moulin. Voilà, un moulin comme ça, c'est très bien. Et tu vas l'aider à faire un moulin. Et en faire un métier à tisser, vu qu'on n'a pas assez de bouffe pour faire un villageois. Papi poupa. C'est dingue qu'on n'ait pas encore de moutons. On va faire ça, mais... Peut-être là, ils sont peut-être là. On a eu aucun des deux couples de moutons promis par la prophétie. Donc ce que je viens de faire très mal, parce que bon, ça pourrait être fait un peu plus rapidement, c'est comme j'ai pas assez de bouffe, mais que je sais que ensemble eux ils ont chacun de la bouffe qu'ils retiennent avant de la mettre. Je leur demande de tout déposer en fait pour gagner de précieuses secondes pour construire un nouveau villageois. Attends, on a toujours 4 bûcherons, tout va bien. Les prochains villageois, OB. Il a un score plus élevé que le nôtre. Ce qui est embêtant, mais bon. Ah, voilà notre premier couple de moutons. Allez, on revient. Allez, on se dépêche. Ok, pfff. Bien cru que j'allais perdre un villageois là-dessus. Mais ça va, on s'en est pas trop mal tiré. Oh, un autre couple de moutons, fantastique. Fantastique, ça se passe pas trop mal. On fait encore une maison. Ok, et on continue à construire des villageois, sinon ça ne va pas. Bon. On va faire un petit wall ici, hein, ça me paraît bien. Eux, ils vont faire quoi, les baies? Les baies, ça me paraît bien, ouais. Donc, tac... Ah, toi tu fais rien, tu vas faire une caserne ici. Pam, pam, palam. Ce serait fantastique que notre première partie on la gagne, mais c'est chaud. Hein. Hey, salut Potato. Ah, mais merci beaucoup. Vous m'avez manqué aussi. J'ai une petite surprise pour toi d'ailleurs plus tard dans la soirée. Enfin, ne t'emballe pas, mais. J'ai décidé de tester un jeu que tu m'as fait découvrir. En stream d'ailleurs. Tu m'as donné très envie d'y jouer. Et je vais le découvrir et le lancer pour la première fois tout à l'heure après ma game. Donc voilà, tu te doutes de ce que c'est, je crois. Quoique, ça tombe pas du tout. Ouais, tout à fait. Le second opus, j'ai très 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 envie de tester. Je sais pas si t'avais fini le 1. Oh, mais il me pique mon mouton, hein, saligo. On récupère la bestiole. Et on continue à construire des maisons. Je sais pas si tu as fini ta run ou pas du 1. Boudou boudou boum. Ah, et alors, bien?
Ça avait l'air de bien t'amuser en tout cas quand j'étais passé en streaming. Ouais, tu m'avais bien donné envie de tester. Et puis j'avais jamais fait encore, ce qui est étonnant, j'avais jamais fait de roguelike sur la chaîne. Par un curieux hasard. On a beaucoup trop de gens à la bouffe en fait maintenant qu'on est passé d'âge. Et on perd les bonnes habitudes. Vous allez aller au bois, toi tu vas faire une ferme, toi tu vas au bois, toi tu vas au bois, toi, vous tous, vous allez tuer le mec là, allez-y. Bon, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Alors, toi au bois... Toi, villageois, toi, la hache, toi, le champ, champ infini, toi, au bois là, toi, au champ, toi, au champ, toi, allez, y a pas assez de bois pour le champ, fais chier, bon, c'est pas grave, coupe du bois. Toi, tac, on va faire ça. Il nous faut de la pierre, bien sûr, pour faire des murs, pour voler. Avec un dos extrêmement faible à cause du drop malheureusement. Un DPS extrêmement faible, hein. Mais réussi tout de même. Tu verras, c'est méga fun. Par contre, le 2 est encore en bêta. La pierre, merci. Ok, alors... tac, ok. Ça ne va pas. Au niveau du score, on se fait bouffer. On se fait bouffer la tête, ça ne va pas du tout. Tac, toi tu vas faire des murs. Des murs par ici, voilà. Toi, tu vas faire un camp de tir à l'arc par là. On va faire un petit wall. Tac. Ok, ça va, c'est fermé. Voilà. Ok. Ok, alors, ferme. Ferme. Bois. Et bois. Faut garder assez de gens au bois, surtout qu'on a besoin pour construire les bâtiments en plus des fermes. Donc bon bah toi construis, non c'est bon, tu vas pas, on va pas être à 12 000 sur le wall. Pouf, voilà. Villageois, villageois, villageois. On va bientôt pouvoir passer à des châteaux déjà, c'est étonnant. On a géré un peu n'importe comment je crois. Ah oui, il nous fallait un camp d'archer, j'avais dit. J'avais dit un camp d'archer. Ok, un camp d'archer, tac, vas-y, fais-le là. On a un seul mec à la pierre, c'est un peu peu, le prochain qui sort, on l'envoie à la pierre. Voilà. On a mamafer. Aïe aïe aïe, ça sent le castle rush, vu le score. Ah, si tu... Tu le dis, mon cher potato. Pourquoi est-ce que je ne peux pas construire ça? Je crois que j'ai besoin de peut-être d'un... On va faire une forge. Hein. On va faire une forge. Ok, comme ça on pourra passer château. On pourra passer château. Bon. Padapadapou, papou, poudou. Alors, une ferme. Alors, vous au bois. Peut-être que si tu cries le nom du gars en face assez fort, il s'arrêtera. Souvenir, souvenir. Ah, j'adorerais refaire du baseball. J'adorerais, j'adorerais. Mais bon, déjà l'espoir s'est arrêté pour le moment, parce que voilà. Alors, on a cliqué château, et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est château? On va faire des archers. On n'a pas assez scouté. Hein. Lui en tout cas il a wallé, wallé en bois.
Voilà. Bon. On a complètement volé, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va pouvoir se concentrer sur notre prod. Peut-être que si tu cries... Ah non, excuse-moi, je crois que c'était un nouveau message. Désolé. Je suis pas attentif, je suis à moitié la ligne. Tu rattrapes rapidement ton retard. Ouais. Faut le dire vite. Ah, son couple de moutons, on va lui voler. On va lui voler son couple de moutons. Bon. Dès qu'on passe château, il faut qu'on fasse un deuxième forum. Donc, tac, toi, tu vas faire une porte ici. Je suis repassé devant le score, mais la troisième fois, ça ne veut rien dire. Bon, allez, villageois, villageois. On améliore les fermes, on améliore les haches dès qu'on peut. Et surtout un deuxième forum, s'il vous plaît. Ok, on va faire un deuxième forum où ça? Ici, à côté de l'or? Ouais, ça me paraît bien. Voilà, ici c'est bien. Voilà. Alors, je me demande un peu où est-ce qu'il va là, parce que... Normalement, il n'y a pas de passage. Si j'ai bien fait ça. Non, il n'y a pas de passage. Hein, voilà. On va attendre, les moutons aussi vont attendre que la porte soit faite. Alors, une ferme, il faut de la bouffe rapido, de la bouffe rapido. Allez les gars, on se dépêche de construire une porte. Et toi, forum, toi aussi forum d'ailleurs. Hop, les deux moutons ici. Toi toujours villageois, 34 sur 45, on va pas faire de maison. Et des troupes, un de ces quatre ce serait bien. Et il faut absolument des fermes, hein, plus de fermes. On n'a vraiment pas assez de fermes. Hein. Alors, vous deux, vous êtes rebaptisés Thomas et Piron. Tac, 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 tac. C'est la deuxième fois que je fais cette blague et elle me paraît toujours aussi drôle. Bludge président. Merci, Potato. Mais ne vote pas pour moi si je me présente un jour. Pas une bonne idée. Je pense pas avoir les compétences pour gérer un pays. Mais un incompétent qui est conscient de son incompétence, c'est un con qui sait qu'il est un peu con. C'est pas très grave en fait finalement. Ce dont il faut se méfier, c'est du con qui s'ignore. Celui qui sait pas mais qui croit qu'il sait. Ça c'est quelqu'un de dangereux. Ça fait un peu dialogue d'Audière là comme ça. C'est peut-être d'ailleurs complètement pompé sur un dialogue d'Audière. J'ai pas la ref en tête mais... Ça y ressemble. Pum, 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 pum. Ah, ça me fait penser que je suis tombé sur une petite chaîne, Potato, tu connais peut-être, ça s'appelle Major Mouvement. Apparemment, c'est un kiné, et il donne toutes sortes de conseils pour des exercices, etc. J'ai tendance à donner du crédit à ce qu'il dit, parce que bah, déjà, les conseils ont l'air ça a l'air d'être de bons conseils, mais en plus, il est kiné, donc a priori, il sait ce qu'il dit. Mais du coup, si tu connais pas, je t'invite à checker, ne serait-ce que pour me donner ton avis en tant que kiné, voir s'il est bon ou pas, quoi. Il est très pertinent. Ah, d'accord, tu connais. Tu connais et c'est pertinent. Mais tant mieux, je suis content, je suis très content. Que ce soit pertinent. Bon allez, on continue d'améliorer nos armées. On va bientôt pouvoir faire un villageois sur deux fronts. On peut déjà faire un villageois sur deux fronts, c'est bien. Et je crois qu'il va falloir faire du bois maintenant, non? Pas encore? On va quand même faire un petit camp de bûcheron ici. Poum, 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 poum. Ok. Allez. On va faire des fantasmes. Ah, c'est des francs. On va faire des piquets. Évidemment qu'on va faire des piquets. C'est des francs. C'est des francs. Suis-je bête? Il dit franc, dit cavalerie.
On a 2-3 points de butée, mais globalement, ces conseils sont bienveillants. Et là où je suis pas trop d'accord, c'est du détail qui changera rien à nos vies. Ah, d'accord. Donc, globalement, bon conseil, Mister. Moi, j'ai déjà oublié son nom. Je t'ai dit tantôt. Monsieur. Allez, zut, je l'ai dit. Ah, bah, là, ça, c'est dingue, ça. Major mouvement, merci. La mémoire. Hein. Bon. Bon, alors, Toum toum. On va faire de l'université, hein, histoire de... Alors, en fait, comme je vois que toutes les reliques sont là, je me demande si je ferais pas un petit monastère, moi. Hein, ça pourrait être sympa, un petit monastère. Ok, allez. Un petit villageois encore là. Je vais faire une chaîne YouTube Amiral Souplesse en concurrence. Bon. Allez. On va faire une petite armée déjà. Quoique, on passerait bien impérial. Voilà, on va cliquer impérial. Je crois que c'est la première fois que je clique impérial en ladder, alors qu'il n'y a eu aucun affrontement. Ça, c'est assez dingue. Between, j'ai fait le deuxième et dernier vaccin cet après-midi. C'était fun, encore une fois. Malheureusement, toujours pas de troisième bras qui pousse. Oh. Peut-être la prochaine fois. Bon. Toi, tu vas aller surveiller un peu le spot là-bas. Et vous allez aller là. Et on va commencer à faire des troupes. Hein. Alors toi tu prends la première relique la plus proche. Nous on continue à faire des troupes. J'aimerais bien faire un château. Ça dépend de ces mecs là. Allez. Lui il passe impérial, mais lui il doit continuer à faire des villageois bien sûr. Et lui il continue à faire des moines, s'il vous plaît. Et lui il fait des troupes. Et on va faire, j'aimerais bien peut-être un autre... d'autres trucs de troupes, hein, parce que c'est un peu pauvre, hein, une seule caserne. Et des archers serait pas mal avec ça, non? Vous en pensez? Ok, alors toi, tu vas prendre la relique là-bas. Encore un moine? Allez, encore un moine. On fait un archer. Ouais, des archers, c'est quand même bien. On va faire un petit château ici pour protéger l'or. Et on va améliorer nos fantassins. Et on va améliorer aussi à la forge. Tu mettrais pas des avant-postes à gauche, à droite, à ces sorties de village pour surveiller? Peut-être une bonne idée. Et regardez tous les cavaliers d'éclairage qu'il y a là. Ok, ça peut être une bonne idée. On va faire un petit avant-poste ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah la relique n'y est plus. Donc je crois qu'on a peut-être perdu un moine en chemin. Donc on aurait qu'une seule relique, c'est pas énorme. Ah,
Un château qui est là. Pas très grave. Il va vite être apporté de notre trébuchet. Alors, on va faire un groupe avec ces deux-là. Voilà. Ah super, un trébuchet s'il vous plaît, pas assez d'or, hein, pas assez d'or, mais c'est pour ça que vous êtes là, pour protéger l'or qui est là. Ok, un petit trébuchet. Ça c'est bientôt à fond. Et on va quand même faire une autre caserne ici. Et alors des fantassins arc, on va faire ça. Tac 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 tac. Je crois qu'on va simplement faire un trébuchet, puis pilonner son château, puis voir ce qui va venir. Ne pas oublier le split des trébuchets, c'est une question d'indignité. Pour amener les hommes, parce que là il a beaucoup de cavaliers. Ok. Ça fait beaucoup beaucoup de cavaliers. Ça fait vraiment beaucoup beaucoup de cavaliers et beaucoup beaucoup de trébuchets, ça pue hein. Ça pue un peu. Ça pue un peu. Franchement, ça pue un peu, ça pue même carrément. Non, c'est le GG, hein, c'est le GG. Non, j'ai pas la prod suffisante. J'aurais dû faire plus de casernes, peut-être. Plus de casernes, ouais. Réfléchis. Hein. Au stade où il en est de production de cavaliers, avec tous les châteaux. Sans doute plus de casernes, ouais. Ok, donc comme promis après, cette petite mise en bouche à Jovan Payordienne, la découverte de Ziggurat 2. Alors, on va commencer par changer l'intitulé du stream. On va faire ça dans l'ordre. Hein. Et on va remettre un peu de musique d'ambiance d'ailleurs, tac, le temps qu'on fasse tout ça. Voilà. Alors, tac tac tac. Ah là 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 là. Mais qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Potato ? Face à cette masse de cavaliers avec les trébuchets. C'est chaud, quand même. Non, je pense que j'aurais dû faire beaucoup plus de casernes. Et j'aurais snipé mon trébuchet. Ah, j'aurais splitté mon trébuchet. Bah oui, bien. C'est ça que j'en ai pas fait. C'est splitter le trébuchet. Ok, je vais mettre découverte. Ziggurat, il y a 2G, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. C'est honteux. Allons voir un peu. Ah, il y a 2G, il y a 2G, il y a 2G. On lance le jeu. Pour la toute première fois. Pour la première fois, parce que sinon ça fait un peu Madonna. Attends, c'est Madonna qui... Non, c'est Julie Pietri, je crois. Pour la première fois. Surtout que Madonna ne chante pas en français. Madonna, c'était Like a Virgin. Découverte Ziggurat 2, on lance le jeu pour la première fois. Parfait. Est-ce qu'il est dans la base de données de Twitch? Tout à fait. Ziggurat 2, il n'y a pas d'illustration, mais il y est. Ok, c'est mis à jour. Ça, ok. Ça, ok. Et on va lancer du coup Ziggurat 2, mesdames et messieurs. Première fois qu'on lance le jeu. Bienvenue dans cette découverte. J'aime bien les découvertes. J'aime beaucoup. Hop là. Milkstone, je crois que je n'ai jamais fait de jeu de Milkstone. Ça va un peu fort.
Mais c'est cool, la musique est cool. Auto-configuration, il progresse. Ok. Alors, setting, s'il vous plaît. Audio, s'il vous plaît. Voilà. Là, ça me paraît bien. Peut-être un peu fort encore. Hein. Là, peut-être encore un peu plus bas. Voilà, là c'est bien. Play audio on background. Bah oui. Oh, la musique est cool. Hein. La musique est vraiment cool. Bon, contrôle, on va quand même vérifier que ce soit pas en ZQSD, mais c'est pas ça, a pas l'air d'être ça. Customize controller. Customize keyboard, ok. Ah, mouvement. Up, Z, down, left, right, ok. Jump, space, run, left, shift, ok. Dash, E, ok. Fire sur le bouton gauche, alternate, fire sur le bouton droit, parfait. Use skill sur R, ok. Je préférais sur E, mais pourquoi pas. Sur R, donc comme recharger, ok. Interagir sur F, ah non, c'est pas beau ça, c'est pas beau ça, interagir sur F. Interagir sur E, moi j'ai toujours l'habitude d'interagir sur E, donc je vais mettre sur E. Et dash, je vais mettre sur A du coup. Mais touche pour l'amulette, tu me remercieras plus tard. Est-ce que je peux mettre le clic de la roulette? Le clic de la roulette de souris, c'est possible? Ok. Et voilà, c'est fait. Donc on dash sur A, c'est quand même pas super instinctif. J'ai plutôt dashé sur le mouton 5 de la souris. Voilà. Ok, bon, on va voir un peu. On va voir ce que ça donne. Tac, oui. Tac, ok, ça c'est bon. Back, mesdames et messieurs. On va pouvoir commencer. Play campagne, hein, on va commencer une campagne. C'est donc le principe de Ziggurat, j'ai encore rien dit. C'est un jeu que j'ai découvert grâce à Potato, qui est ici présent dans le chat, le premier opus sur son live. En gros, c'est un roguelike, mais en FPS. Ce que je n'ai jamais fait. Et le concept me plaît bien, donc voilà, on va découvrir ça. Novice, apprenti, scholar, master et archmage. J'ai envie de mettre scholar parce que ça a l'air d'être le truc de base. If here you start here if you new to Ziggurat. Ouais, peut-être faire apprenti plutôt. Vous pensez quoi le chat? Commence comme un vrai en scholar ou on va en apprenti? Que dit le chat? Apprenti scolaire déjà bien chaud. Bon, on va suivre les conseils de Potato qui a déjà joué au jeu. Enfin, au premier. Je pense pas que tu aies fait le deuxième, je sais pas. Cinématique, attention. Greyhorn Citadel, Home of the Brotherhood of Daedalon. La maison de la fraternité de Daedalon. Pendant des siècles, cet ordre caché de sorciers ont protégé... Et pas vu quoi. Sans doute le bazar là qui tournoie. Ils ont bravé la puissance et je sais pas quoi. In order to join the order... Donc dans le but de joindre l'ordre, les apprentis... Ça va beaucoup trop vite, j'arrive pas à traduire en même temps. Une gigantesque prison pour des créatures trop puissantes pour être détruites. C'est un peu comme le Mafuba en fait, c'est un Mafuba géant. Donc on va jouer visiblement dans un autoquizer géant. Pendant les dernières années, j'ai pas su lire la suite, pendant que les plus traditionnels ont juré de protéger... Et voilà, c'est pas beaucoup de... Les gars, je suis pas anglophone. Ukion, l'archimage... A montré à lui-même la force de... Oh là là.
Expelling the heretic by force. Expelling the... Expelling, ça veut dire quoi, expelling? En tout cas, il a fait quelque chose avec les hérétiques par la force. Cet incident a été suivi par bien d'autres jusqu'à une guerre civile. Je cherche une guerre civile éclate. Tout le continent a tremblé quand les deux camps se sont opposés. Les hérétiques proches de leur défaite ont casté, donc ont invoqué un gros sort apparemment. Alors, il y a eu un surplus de mana visiblement et ça a tout pété. Voilà. Puis tes frères et sœurs ne jamais voir ça. Du méta. Ah, ils pourraient m'aider s'ils étaient là. Creature lockdown in the flittered mainland. Rien compris là. Là, j'ai rien compris. Il y a des créatures qui sont dans la tour, dans la truc, je crois. La plupart des sorciers ont perdu leur vie ou leur sainteté d'esprit. Autour d'eux, Argo et Karina. Pas eu le temps de lire la suite. Ça va vraiment trop vite, les gars. Avec les créatures du mal libres autour de l'endroit. Peut-être. With their head. Alors, aide AID. C'est plus ce que ça veut dire. Bref, beaucoup, beaucoup de lore, très intéressant. Il y a des méchants et on va les péter, quoi. On va se concentrer là-dessus. En gros, il y a deux camps. Ceux qui font des expériences hérétiques pour augmenter leur pouvoir et ceux qui font de la sorcellerie pure. L'archimage a chassé les hérétiques. Résumé du 1, potato. Et pour joindre l'ordre de sorcellerie, tu dois traverser le ziggourat pour faire tes preuves. Le ziggourat, c'est le Mafuba, rempli de monstres intuables. Ok. Tutoriel. Un étage. Single floor. Single floor, étage seul. Nous sommes toujours faibles. After the downfall. Nous sommes toujours faibles après l'espèce de truc qui s'est passé, l'automne, je sais pas quoi. L'accident, le gros boom, j'imagine. Nothing better than a small warm-up in the practice dungeon before exiting the citadel. Il n'y a rien de mieux qu'un peu d'entraînement, d'échauffement en allant dans le donjon avant de quitter la citadel. Downfall, c'est la chute. Oh, merci beaucoup, Potato. Vous êtes génial, messieurs du chat. Vous êtes génial, merci beaucoup. Tutoriel, practice floor. Et voilà, nous sommes dans Ziggourat. Ma foi, c'est assez joli. Et pour un truc de donjon, les plafonds sont hauts, donc on n'a pas trop l'impression d'être enfermé, ce qui est assez sympa. Voilà, la maniabilité, ma foi, est fort sympathique, fluide, rapide, très, très réactive, hein, c'est, voilà, rien à dire. Alors, jumping, use space, oula, c'est écrit tout petit, to reach higher floor, ok, utiliser barre d'espace pour atteindre des étages plus hauts. Ledge. If you move forward, alors, mesdames et messieurs, ceux qui débarquent, vous allez découvrir mon merveilleux accent anglais. J'essaie de faire des efforts hein, quand même, mais forward, par exemple, je sais pas très bien comment le prononcer. Donc si tu bouges tout droit pendant que tu sautes, towards, je sais pas ce que ça veut dire, ledge, you automatically climb it. Donc je crois que c'est jusqu'à un bord en fait, jusqu'à un bord, ça qui veut dire. Tu veux que je te joigne sur Discord pour que je traduise pendant que tu joues? Non, c'est gentil. Ah bah oui, j'escalade automatiquement, c'est ça qu'il veut dire, voilà. Il n'y a pas de VF, mais il est en bêta pour l'instant, donc j'imagine qu'il y aura une VF plus tard. Bah ça va, on n'est pas des manches non plus, on comprend plus ou moins. Dash, you can use le bouton 5 de la souris pour dasher, c'est-à-dire bouger très vite pendant un bref instant, mais dasher, on avait compris. Essayez de sauter tout droit et dasher pour on dirait les tutos de Spyro, vous voyez. Le petit saut, puis le gros saut, puis le saut avec papillon. Ça va un peu fort, hein. Ça va un peu fort, je vais baisser un petit peu. Voilà. Ok, allez, on y va, attention. Hop,
Dash, voilà. Oh, le dash est assez puissant, hein. Tac. Ah non, on a peut-être une barre de chargement de dash. Ah oui. Oui. Alors le R, ça fait quoi? Ça fait quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et le dash, il est là, on le voit, bouton 5 de la souris. Est-ce que c'est judicieux de l'avoir mis sur le bouton 5 de la souris? Oui, je pense que ça peut être judicieux. Ça fait très Kingdom Hearts 3 le début. Bravo, t'as fait plein de trucs, tu es super badass, tu es un demi-dieu. Mais scénario, tout ça, tu te sens faible, te voilà level 1 encore une fois. Sprint, you can move faster by using left shift. Ok, bah on peut sprinter quoi. You can shoot while sprinting, you can only move forward. Attends, tu peux tirer pendant que tu sprintes, mais on peut seulement avancer tout droit. Ah ouais, quand on sprint, on peut pas... aller à gauche ou à droite. Ah, je ne peux pas, you can't. Pardon. You can't shoot. Merci beaucoup, l'apostrophe T est important. Je ne peux pas tirer quand je cours. Shooting. Utilise ta baguette pour vaincre les... C'est marrant parce que defeat, c'est vaincre, je crois. Mais quand on dit vaincre, moi, ça m'évoque... Tu les as vaincus. Donc c'est toi qui as posé l'action de vaincre l'ennemi. Que defeat all enemies... Le mot defeat, comme ça fait penser à défaite au niveau étymologie, c'est plutôt les ennemis qui ont perdu. Bref, je mets vague. Je dis vague. Vas-y Harry, lance tes sorts. L'apostrophe a son importance. Hashtag théâtre, hashtag chevalier. Alors, on utilise notre baguette pour donc vaincre les ennemis. Le feu, le tir principal, donc c'est ça. C'est quand même complètement ridicule. Pouit, 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 pouit. Farine requiert mana, but one regenerate quickly. Ok, donc tirer, ça demande du mana en bas à droite là. Mais ça revient très vite. Effectivement, ça revient assez vite. Et l'alternative fire, ah oui, c'est un espèce de petit shotgun de trois petites boules. Ok. Imagine que c'est le mode défaite. Défaire du coup. Défait les ennemis. Ah oui. Ouais, bien vu, Jidan. Bien vu. Ok. Ah, mais c'est des carottes! C'était un piège, tout ceci était manigancé par Master Carotte. Master Carotte qui nous a donné envie de jouer à ce jeu. Eh ben, honnêtement, c'est des petits piou-piou, mais ça a quelque chose d'assez assez jouissif de défoncer ces carottes. Victory! For Kingdom and Glory! Nous avons vaincu les dangereuses carottes. Bah, on peut aller par là, j'imagine. J'espère que je vais pas vous rendre malade parce que moi je vois ce que je fais évidemment. Mais ça va vite. Hein. L'écran bouge rapidement donc j'espère que pour vous c'est pas un peu trop la gerboulade. J'aurais peut-être dû lire avant de les taper. Peut-être qu'il y avait autre chose à faire que de bêtement tuer les ennemis. Non, c'est bon. Le problème maintenant, c'est qu'on ne peut pas atteindre. On ne peut pas atteindre les bonus qu'ils ont laissés. Ce qui est assez embêtant. C'est pas très grave, mais. Tu as vaincu tous nos potagers. Oh mon dieu. Skill. All heroes have a unique skill. The apprentice can attract pick-up in a long radius. Donc l'apprenti. Ah ah ah. Donc en fait, si je fais ça. Ça m'amène tous les bonus à moi. Ok. Donc l'apprenti, c'est ce que je joue apparemment maintenant. Il peut attirer à lui les drops sur un long rayon. Utilisez votre skill pour... ouais, c'est ce que j'ai fait. Et le skill prend un moment à recharger. Ok. Jusque là, rien de bien sorcier. C'est pas Jamie. Map, this room split the path, donc cette pièce divise le chemin. Vous pouvez ouvrir la carte pour connaître le chemin. On est là, bah, en face il y a le boss, à droite c'est verrouillé et à gauche il n'y a rien, apparemment. Enfin, rien, il y a quand même un coffre là.
Treasure Chest, Teach Chest, Old Helpful Reward. Donc ce coffre contient des récompenses qui vont t'aider, quoi. Des récompenses aidantes. Open it to see what's inside. Ouvrez-le pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Apprenez l'anglais avec Blood Chesterfield. Oh, c'est beau. Alors, l'œil de... Alors, Twilight, c'est quoi? C'est le crépuscule? L'œil du crépuscule? Je sais pas si on peut clipper un stream entier, Jida. Je vous hite. Alors, les dommages, 35, le ray, donc c'est la fréquence de tir, 6.9, donc ça veut dire un coup toutes les 6.9 secondes, ce qui est quand même très peu, enfin très lent, il me semble. Ça use 0.7 de mana, ok. Quoi? Enfin, attendez. Caractère sheet. Eye of Twilight. Fire rate, on est d'accord que c'est le... Ah non, ça tire 6.9 fois par seconde. C'est pas que ça tire une fois toutes les 6.9 secondes, c'est que ça tire, il y a un projectile qui sort presque 7 fois toutes les secondes. C'est ça que ça tire si vite. Ou alors tu attends qu'il le mette de lui-même sur YouTube. C'est un peu ça. Ok. Ouf, oulala. Ah, pourquoi est-ce que ça revient pas le truc vert? Ah, je crois que le bâton que j'ai ici, il a une charge... Attends, peut-être qu'on l'expliquait. Hein. Non, il n'y a pas de livre là. C'est juste pour le coffre, ouais. Mais peut-être que l'arme que j'ai, en fait, elle a des trucs limités. Maintenant que vous avez plus d'armes, vous pouvez switcher entre différentes armes, ok, avec la roulette. The way more powerful than your one, but they don't regenerate their mana. Ah oui, ok, c'est ça. Donc l'arme que j'ai, c'est beaucoup plus fort que ma baguette, mais elle ne régénère pas son mana. Les ennemis vaincus vont lâcher du mana de temps en temps, donc faites attention à le prendre quand ils le font, ok. Sur le temps principal, recharge la baguette, ok. Defeat all the enemy. On va prendre l'arme de base et on va essayer de récupérer du mana vert pour notre super baguette. Oh, ils sont mignons les petits gobelins là. Ah, du mana vert là. Je crois que c'est ça. Voilà, vous voyez à droite, on voit trois trucs de mana, le bleu, le vert, le jaune. Et je crois que c'est ça pour les différentes armes. Level up when you pick enough, donc quand vous prenez suffisamment de savoir, de cristal de savoir, vous passez de niveau, vous retrouvez du coup une partie de votre vie et de votre mana et earning a new perk, ok, donc vous apprenez une nouvelle compétence j'imagine. Ouvrez l'écran de passage de niveau hein, pour décider quelle compétence vous voulez, ok. On va faire ça avant d'aller là. Hein. Alors, choose perk, c'est quoi? C'est E. Alors, seul ton âme principale se recharge la baguette. Je salue sa persévérance. Écoute, c'est en essayant qu'on apprend. Hâte ou méditation. Donc ça, c'est en gros, je suis plus rapide. Je suis déjà pas mal rapide, il me semble. Méditation, ça augmente la taille de mon mana par plus 10%. Je vais prendre ça, méditation. Ok. Ça c'est quoi, c'est une clé. Guardian Seal Accord. This is the seal that will allow you to open the Guardian Door and fight him. C'est le sceau qui te permettra d'ouvrir la porte du gardien et de le combattre. Une fois que tu l'as pris, tu retournes à la salle du boss, quoi. Voilà, okay, donc on va faire un demi-tour et aller ouvrir la salle du boss. Pense à check correctement avant d'aller au boss. Je crois qu'on a tout là. Ah, peut-être qu'il y avait une clé là à gauche. Ah oui,
Master Key Acquired. Je suppose que c'est pour aller... Je suppose que la Master Key, c'est pour aller là-bas, à mon avis. À mon avis, c'est ça. Magic Lock, donc un cadenas magique. Cette porte est protégée par un cadenas magique. La clé pour l'ouvrir est dans une autre pièce. Bah, c'est la clé qu'on a eue. Hein. C'est pas nécessaire de la trouver, mais derrière cette porte, il y a sûrement des récompenses sympas. Hein. Behind this door will usually help in your journey. Donc, au gros, voilà, c'est la pièce c'est la pièce de... Comment ? Binding of Isaac, où il y a le coffre, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Shrine. Alors, Shrine, alors, je sais pas absolument pas du tout ce que ça veut dire. Shrine, allow you to offer a sacrifice in exchange for possible reward. Donc, Shrine, on va dire que c'est son nom à lui. Il m'autorise à offrir un sacrifice en échange d'une possible récompense ou d'une punition si on est malchanceux. Ok. L'esprit des loups demande un sacrifice. On va payer 10 PV, allez. Ah, Shrine, c'est hôtel. D'accord. Bah, ça, il pourrait s'appeler Shrine, hein. Ça pourrait être son nom. Shrine, c'est hôtel. Et pas un hôtel. Oui, bah oui, ils avaient compris. Avec tout ça, j'ai pas lu ce qu'ils nous avaient apporté. Je sais pas s'il y a moyen de... Caractère cheat. Mana infusion. Je sais pas du tout ce qu'ils nous a apporté. Et ça se prononce... Shrine. 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 J'irai voir sur Google. Shrine. Shrine. Mesdames et messieurs, la salle du boss. Les gardiens sont des ils sont puissants, ils sont durs. Et votre objectif... pour compléter le niveau. Ok, donc il faut buter le boss pour finir le niveau. Jusque là, rien de très compliqué. Enfin, je veux dire, c'est logique, on termine le niveau, il y a un boss. When the elf drop, the minion will come and protect them with a magical barrier. Ok, quand leur vie baisse, il y a des minions, donc des serviteurs... du boss qui vont venir et les protéger avec une barrière magique. Et il faut que nous on bute tous les minions avant de pour briser la barrière pour pouvoir leur taper lui quoi. Ok. Defeat the Guardian. C'est lui ? Ça va, il est tout mignon. il a le fusil de Elmer Fudd un peu. Hein. Ça, c'est la barrière magique, donc il faut tuer ses potes. Il faut tuer ses potes pour enlever la barrière magique. Alors la musique est assez cool, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt chouette. C'est assez épique comme ça. On entend bien la musique et elle est pas au-dessus de ma voix. Enfin, je veux dire, c'est un bon équilibre entre la musique et la voix. C'est important que je m'en rende compte. Pas le même retour que vous. Seulement, il y avait une arme qui tirait plus vite. J'ai pas voulu user mon arme. Tous perk, ok. Ah oui, donc je vais faire... mais non, pas ça. Voilà. Donc, ou alors je vais plus vite, ou alors plus de mana encore. Je vais dire plus de mana. Plus de mana. Je vais déjà assez vite, je trouve. Franchement, j'ai l'impression que je vais à 2000 à l'heure déjà. Interagir. Et nous voici. Téléportés à la suite du donjon. Greyhorn Citadelle. Citadelle à la corne grise. J'imagine. Browse the Available Quest. Laboratory, manage your heroes and upgrade weapons of our amulets. Library, consult the bestiary and the discovered perk tome. On va voir pour customiser un peu nos héros. Dans les armes,
On a quoi? On a la baguette de base. Bah, je crois qu'il faut qu'on joue un peu avant de débloquer des machins. Merci pour le GG. Première victoire, c'était vraiment bien fait, t'as géré. Merci beaucoup, bon, c'était le tuto. Hein. Bah, il y a déjà des jeux où Blutch s'est retrouvé, oui, parfois je parle de moi à la troisième, où je me suis retrouvé dans le mal au tuto. Hein. On repense à Tunique Bleue, Nord et Sud. Bah, c'était pas moi un tuto, mais la première partie, j'ai chié. Qu'est-ce que c'est que quoi? Si je clique là, ok. Ok, donc je peux améliorer ma baguette en fait, ici. Et ça c'est une autre baguette j'imagine. Un tome de réfrigération, pour avoir des sorts de froid j'imagine, un tome de feu. Une baguette divine. Bâton divin. Wrath, oh non attends, Wrath c'est colère non? Divine colère. Colère divine. Oh, ça j'aime bien. Un tromblon de nain. Et une arbalète de froid. Bon, écoutez, on va voir, on verra. Heroes. On a Argo et Karina. Eh bien, c'est quoi la différence? Apprenti. Donc en fait, la différence, c'est... Ah non, ils ont des skills différents. Lui, c'est le siphon, on a vu, hein. Et elle, chauve. Que veut dire chauve? Repels and damage nearby enemies. Repels and damage nearby enemies. Pousser. Ah, ça repousse et ça fait un peu de dommage aux ennemis. Eh, elle a les yeux verrons. Lui aussi? A priori, non. Bah, a priori, son pouvoir a l'air mieux que lui. Hein. A priori. On va essayer. On va essayer. J'imagine qu'on a des différentes classes à débloquer. Ok, back. On va aller dans la carte. Chapitre 1 de Free Agent. Comment ça chapitre 1? C'est bien. On est sur un roguelike, d'accord. On rentre dans un donjon et puis on... Le maire de la ville proche a disparu il y a quelques jours et depuis des monstres, des activités de monstres ont grossi sans arrêt. Ok. Et c'est une quête annexe, ok. Bah écoutez, on va la faire. Hein. Et là, c'est quoi? Le mausolée abandonné. Un vaillant chevalier est entré dans ce donjon pour prouver sa worth. Son utilité, j'imagine. Sa vaillance. Et puis bah, il a pas réussi. Ses parents ont demandé de ça fait un peu petit garçon qui est parti. Ses parents ont demandé qu'on le retrouve en échange d'une récompense. Ok. Chauve, ça repousse. Je pensais que c'était le contraire. Désolé Thierry. Le 2 est sous forme d'histoire et il y aura à la fin le mode donjon de débloquer pour faire en roguelike. Sa valeur, ok. Et ici, la citadelle du sang, Blood Citadel. Elder Townsfolk. Comme Elder Scroll. Que veut dire Elder déjà? Ancien? Elder Scrolls, c'est le parchemin ancien, non? Donc l'ancienne ville... ouais, ancien, ça. Merci, Potato. L'ancienne ville a été informée... nous a informé que... qu'il y a là un artefact qui pourrait nous aider dans notre mission. Bah, on va aller prendre l'artefact. Hein. On a le choix entre deux personnages. On va prendre Mademoiselle Karina... Les baguettes, on a la baguette de l'esprit et la baguette de l'âme. La baguette de l'âme est améliorée, mais on va prendre du coup la baguette de l'esprit pour changer. On a le choix entre le froid, le feu ou la crossbow. J'aime bien la crossbow, mais...
Ouais, on va essayer la Frostbow. L'amulette Falcon Wings, les ailes de faucon. Ça donne plus de vitesse, ok. Et ça, c'est quoi? Mana Stone. Plus de mana, ok. Ouais, on va faire ça. C'est parti. L'ancien dans le sens quelque chose d'ancien, l'ancien des villageois, blablabla. Citadelle du sang. Ah, continue. En fait, il n'y a pas de... Il faut appuyer sur continue, sinon on n'y arrive pas. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti, on a fini le tutoriel, et là maintenant c'est... Là, c'est... Ça rigole plus, là. Faut quand même prendre la baguette, hein, vu que ça se recharge. Alors, a priori, il n'y a pas grand monde. Hein. Les aventuriers ne vont jamais tout droit, il paraît, donc nous allons aller tout droit. Je me sens un peu seul. On aurait dû faire le niveau de difficulté au-dessus, à mon avis, les amis. Blue Shrine, hôtel bleu. On sacrifie 5 points de mana. Pour l'ancien dieu, pour une aide. On peut, ouais. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? Pourquoi je peux pas le faire? J'aimerais bien le faire. Ça marche pas? Bon. On se sent seul, et dans le premier donjon, dans la pièce d'ouverture, il n'a pas encore commencé à explorer. Bon, ben, visiblement, tout droit, c'était pas une super idée. Tu n'as pas encore 25 de mana bleu à donner, c'est pour ça... Hop là, on va aller du coup à gauche. On va aller à gauche. Ah, des ennemis! Des carottes! Mes mortels ennemis! Des radis! Les carottes sont aidées par de vils radis! Les ennemis sont terribles. Que va-t-on faire? Je préfère le mode shotgun de l'autre baguette. Oula, attention, pas se faire croquer par une carotte. Hop là, voilà. Ah ouais, donc n'oublions pas que sur R, avec elle, on a un sort de repousse. Bon, nous continuons notre exploration du donjon. Bah, y a rien ici, apparemment. Y a rien du tout. Pa-pum-pum-pum. Ce donjon, c'est le paradis. Ah, zut. Non! S'il y avait des dégâts de chute, ben, on serait pas rendu. Hein. Ok. Allez, on quitte la pièce. C'est tous ces ennemis qui végètent à rien. Mon dieu, arrêtez-le. Ok, c'est parti, la suite du donjon. Ok. Qu'est-ce qui nous attend ici comme dangereux ennemi? Ah, des têtes volantes. Ça fait un peu... Doom, hein, les têtes volantes qui foncent vers toi. Pour moi, c'est même carrément inspiration Doom. Après, Doom, c'est sûrement inspiré de mobs pour créer ses... Enfin, Doom a ses propres inspirations, j'imagine. Oups là, et on se calme. Bon, moi, je crois qu'on va prendre notre super arbalète, là. Oula, je brûle.
Je brûle. Oh là, la musique épique. C'est des piments en fait. C'est pas des carottes, c'est des piments. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils mettent le feu. Voilà, voilà. Je t'aurai, Skeletor. Voilà. Bon, voyons voir. Victory! Chose à perk. On a pris un niveau. Pour les têtes volantes de Doom, ça a été inspiré par la mascotte d'Iron Maiden, le crâne. Oh! C'est vrai que si vous voulez apprendre, enfin, si vous avez des questions sur Doom, n'hésitez pas à demander à Potato, il connaît le jeu sur le bout des doigts. Excusez-moi, je coupe le micro. Ah, désolé. Je recoupe le micro le temps de me moucher, bien sûr. Voilà qui fait du bien. Allez. Je t'avais dit, hein, Potato, que... Je sais plus, j'avais vu un documentaire avec... un des deux créateurs de Doom, je ne sais plus lequel. Et je savais que c'était un métalleux, mais je savais pas que c'était limite, oula, et... c'était une caricature de métalleux, quoi. Le gars, pour l'interview, il avait vraiment un look très très métalleux, quoi. Mais c'était un look en mode, si ça avait été un personnage de film et qu'on lui avait dit, voilà, ton personnage c'est un métalleux. Oh, je viens de comprendre, les piments explosent quand ils décèdent. Donc on peut s'en servir pour faire du dégât aux autres mobs. Par exemple, ce Shrek en armure, oh là, qui fait des dashs. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas encore essayé dash. Dash, c'est comment déjà? Ah, oh, mais si, c'est comme ça. C'est une rockstar, le gars. John Romero, ça. C'est ça. Mais je crois qu'il avait du vernis noir sur les ongles, tu vois. Après, effectivement, c'est une star, hein. Ils étaient deux, non? Il y avait lui et un autre. Ah bah merde. Bon, il y a rien ici. Ah, Shoes of Perk. Mais non. En fait, on devrait... comme Shoes of Perk... Ouais, ça, il faut que je... Attendez. Télékinétique, ça augmente mon niveau de récupération d'items. Et donné que j'ai pas le pouvoir de l'autre, ça pourrait être sympa. Et Slate of Hand, je sais pas ce que ça veut dire. Tu changes d'arme plus vite. Après avoir changé d'arme, on n'utilise pas de mana pendant une seconde. Terrible. On va quand même prendre télékinésie. Ah, on a deux trucs. Scavenger, Enemy Drop, plus de récompenses, ok. Et on a une meilleure amulette. Non, on va faire ça. Settings, interface. Non, c'est pas ça. Control. Customize, ok. Et alors. Voilà. Use skill E. Interact R. C'est très très bien comme ça, en fait. Voilà. John Carmack qui a piqué de la termite à son prof de chimie pour percer un mur de son école et voler un ordi pour travailler sur leur projet de l'époque. De la termite ? Lui aussi c'était une rockstar. Il a piqué de la termite ? Comment ça il a piqué de la termite ? Il a piqué des termites ? C'est ce truc. Ouais, où est-ce qu'on est ? On est là, ok. De la termite, c'est de l'explosif, ok. Pour faire... ça sent la légende quand même, ça. Là, je suis désolé, mais ça sent la légende. Hein. Bon, on a la clé pour aller au boss. On a la clé pour aller au boss, mais on va continuer à explorer le donjon. Ouais, les environnements sont sympas. C'est pas... réaliste, hein, on est d'accord, c'est pas des graphismes waouh, mais c'est des graphismes beaux, moi je trouve, c'est simpliste, mais efficace. On peut acheter avec des sous l'œil du crépuscule. Toujours pas ça veut dire crépuscule, mais on va dire que oui. Druid, perk.
Donc une potion, les potions qui donnent plus de vie, on s'en fout. Retrouver de la vie, on s'en fout. Et l'œil du truc, à la limite, on s'en fout, non? Bah allez, on va le prendre, c'est quand même une grosse arme. Ok. On va rester à la baguette pour l'instant. Alors, où est-on? On va aller à droite, du coup, maintenant. Des journaux locaux ont rendu véridique cette histoire. Il a vraiment fait sauter des murs de son école pour récupérer du matos. C'est un grand malade, le mec. Il n'y a pas de dégâts de chute, apparemment. Hein. Visiblement, il n'y a aucun dégât de chute. Oh, des espèces de golems d'armure volante. Bon, allez, on va... Oh, c'est cool. Les ennemis costauds qui ne meurent pas en un coup avec l'arbalète, ils sont freeze. Et ça, c'est cool. C'est quand même assez balèze. Hein. Pouvoir freeze les ennemis, c'est quand même vachement badass. J'adore cette arbalète. Mais freeze. Ok. On freeze les ennemis, c'est quand même super balèze. Donc au niveau du son, c'est bon ? Vous m'avez pas dit le contraire, donc j'imagine que c'est bon. Hein, mais faut pas hésiter à le dire si c'est assourdissant, si ça va trop fort. Donc pas hésiter à le dire. Et nous allons au boss, le son est très bon, ok. Tant mieux, tant mieux. Ah, on n'a pas de... oublier un truc ? Bon, apparemment non. Non, on n'a pas oublié, je crois. Tu peux à la limite monter le son de la musique. Ouais, tu crois ? Écoute, on va essayer. On va essayer music. Ça va un peu fort, moi, je trouve. Hein. On va voir. C'est parti pour le boss. Oh, cinématique. Il est beau. Et la musique est classe. Je suis content d'avoir un peu augmenté la musique parce qu'honnêtement, elle est classe. Bon. Oup là. Ouf, il envoie du pâté quand même, hein. Il faut faire gaffe. Bon. Faut faire gaffe à ses sbires aussi. Oula. Oh là là, c'est épique. C'est absolument épique, j'adore ça. Vous me mettez une musique comme ça sur n'importe quel jeu, même des mineurs ou solitaire, et ça me va, je suis dedans. Ah, c'est cool. Ah, j'aime bien. Bon, par contre, on va prendre notre super arbalète de givre, qui ne givre visiblement plus, ou pas, ou je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Hop là, on récupère un peu de mana. Je crois qu'il faut qu'on nettoie un peu les minions avant qu'ils soient trop nombreux. Oula. C'est vrai que quand je vois ce genre de salle, je me dis que un peu plus... Je trouvais que j'allais un peu vite avant, mais... Un peu plus de vitesse, ça ne ferait pas de mal. Allez, hop là. On récupère un peu de mana. Bon, pas perdre d'objectif... l'objectif. Je perds de vue l'objectif... qui est le boss. Bon, on a presque plus de vie, hein. On a vraiment presque plus de vie. Oh là là, aïe 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 aïe. Et c'est la défaite, c'est la première défaite. Mais sur une musique épique, alors ça va. Ok. Defeat. Ouais, désolé. Continue. Ah, on a quand même gagné 3 pièces d'or. Yug. Alors, tu veux, ici c'est très bon. Tu comprends pourquoi pendant mon run sur Ziggurat 1, j'ai upé la vitesse de déplacement 7 niveaux de suite. AVC, bonjour. Complete quest. Ok, map room. Et du coup, il faut qu'on retourne. Hey, c'est pas la même map du coup. On n'a pas la même carte. La pyramide infestée, la cathédrale de l'enfer,
Et le mausolée du questionnement. Et bon, on va essayer la pyramide. Un émissaire royal nous a chargé de nettoyer ce donjon. Pas de question. Ok, on va essayer. Vedodo, moi, très sympa ce que j'ai vu de ton stream. Merci beaucoup, Potato. Merci à toi. Passons 23h27. Bon, non, on va encore streamer un petit peu. Nous, on va encore streamer un petit peu. Mais je vais d'abord couper le son et me moucher. Je supporte pas d'avoir le nez encombré. Merci beaucoup. Passe une très bonne nuit. Repose-toi bien. Bon courage pour le boulot demain. Je me mouche et je suis à vous dans 3 secondes. Merci Ninurta, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, je parlais dans le vide. Qu'est-ce que je disais? Du coup, c'est compliqué de se rappeler de ce qu'on disait. On disait bonne nuit à Potato. On se réjouissait de prendre le tromblon nain. Et voilà. Bon, j'ai pas dû dire grand-chose de capital. Merci, bienvenue à toi. Ah oui, à chaque fois je crois que c'est un écran de chargement, alors qu'en fait il suffit d'appuyer sur une touche. Mais on est dans cette découverte de Ziggurat 2 qui m'a été présentée comme un roguelike FPS, plus ou moins ça. Assez sympa. On a une baguette. On a déjà la salle du boss ici à gauche, a priori. Donc il faudra revenir ici après. Bon, ici il y a juste un croisement. Oui. Ah, et voilà déjà le comment, la clé pour aller au boss. On pourrait rusher le boss directement, mais on va aller un peu explorer ce niveau, hein. Aïe, oui. Attention au piège. Bien le bonjour, Chicobac, comme dirait mon ancien prof d'histoire. Alors, où sont les ennemis? Ah, bah voilà, ils sont là. Bon, bah, ça va être un peu simple, je crois. Ah, je crois que je les ai débloqués. Oula! Mais il y en avait un qui était presque mort, je suis pas fou! Bon, on va essayer le fameux tromblon nain. Oula! Il fait du dégât, c'est indéniable. Voilà. Le tromblon nain fait du dégât. Alors, là ici. Est-ce qu'on a la clé? Non, on n'a pas la clé. Est-ce que la clé c'était pas là-bas? C'est-à-dire que sur le plan, on a quand même vachement l'impression qu'il y a une clé ici, non? Ah, c'était la clé du boss ici. C'était la clé du boss. Maintenant, il nous faut la clé de la pièce secrète, qui n'est pas la même clé. On va essayer par là. Ah, defeat all the enemies. Où sont-ils? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, piment! Attention, sieur piment! Il faut le péter à côté des autres, parce qu'il explose et il fait du friendly fire, je crois. Ouais, après les autres, ça va, ils sont pas hyper costauds. Yeah, deux piments.
Alors. Aïe, 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 aïe. Évidemment, quand il explose près de nous, ça ne va pas. Hein. Allez. Ah, merde, je voulais le faire péter à côté de l'autre zombie, là. On va prendre notre tromblon de nain. C'est quand même plus sympa. Voilà. Le bon vieux peupon. Ah, les mobs réapparaissent en fait. Ils sont pas tous dans la pièce directement. Ils apparaissent au fur et à mesure. Bon à savoir. Allo, allo, 1, 2, 1, 2. Je regarde un peu visuellement ce que ça donne avec la musique. Ouais, ça a l'air d'aller. Je trouve que ça va quand même un peu fort. Pour moi, je baisse un peu, mais pour vous, ça ne changera rien. Ouais, je vais mettre comme ça. Voilà, voilà. Et il n'y avait rien ici à part des mobs. Ok. Donc, hop. A priori, il faut aller par là. Ok. Alors, à mon avis, la course, c'est surtout utile pour aller comme ça très vite d'une salle à l'autre dans le donjon. Parce qu'en combat, comme on peut pas tirer en courant. Et dans le peupon, c'est utile, mais à courte distance. Si on commence à sniper avec le peupon, ça ne va pas. Hein. Merde. Ouais, j'ai l'impression que je suis en train d'utiliser toutes mes munitions et qu'on ne m'en rend pas beaucoup. On m'en arrondit un peu là. Ah, et voilà la clé. La clé de la pièce ici. Donc on va aller l'ouvrir. On va aller voir ce qui s'y cache comme bonus. Poum 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 poum. Voilà. Très très nerveux en tout cas comme jeu. C'est vraiment très très nerveux. Mais c'est très gai. A priori c'est très très gai. Chose perk. Alors. Arcane Summoning. On a une nouvelle amulette. Ou Warlock level 1. Cristal Grand 10% de mana. Ouais, on va faire ça. Prendre plus de mana. Ah, voilà le coffre. Avec dedans, ça augmente notre capacité à récupérer des objets à distance. Et on va aller au boss, du coup, mesdames et messieurs. Directement au petit Bossounet. Enfin Bossounet, le dernier Bossounet qu'on a rencontré, il nous a quand même tatané sévère. Il y a un truc là, non? Sur la carte. Là je suis sur un truc, non? Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, le... Ça? Je sais pas ce que... Ah, c'est peut-être le spot de départ, ça. C'est là où on démarre, non? Je sais pas. Peut-être le truc qui indique la pièce de départ. Ok, et nous voici au boss. On va prendre notre peupon. Citra, the immortal. On va se demander pourquoi on essaie de le tuer. Hein. Hop là. Où es-tu? You lapin. Ah, ça me rappelle, ouais. Il faut qu'on prévoie une soirée hein, pour ça, pour Bugs Bunny Roadrunner Movie. Pam, 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 pam. Oula. Ah, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Ce truc est un ennemi. Bon, on va prendre un truc à distance. Bah, on a que ça. On a que ça. Oula. On fait quand même du dégât avec notre baguette de base.
Bon, c'est pas hein, c'est pas à la fois la saucisse, mais on a des dégâts quand même. Ah, attention. Je me demande si ces trucs-là n'invoquent pas des petites bestioles, donc... Faut peut-être d'abord tuer ça, et puis les petites. Ouais, peut-être je dis de la merde, hein. Et plus beaucoup de vie. On va prendre le peupon. Ok, ça c'est mort. Il y a de la vie là-dedans. Non, il n'y a pas de vie. La vie c'est rouge. Je pensais que c'était vert, mais... La vie c'est rouge. Il n'y a pas de rouge là. Allez, soyons prudents. Oula, aïe aïe aïe. Il envoie des disques à travers la salle, des disques mortels. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud, faut vraiment rester en mouvement tout le temps, essayer d'éviter les disques. En plus, il y a le petit low health. Low health, enfin, vie basse. En gros, t'as vu, tu vas mourir, qui reste affiché au milieu de l'écran et je suis décédé. Un foutu de battre un boss, c'est quand même pas possible. On va réussir à battre un boss ce soir, c'est moi qui vous le dis. T'as vu, tu vas mourir. Je l'attendais. Je le confesse. Voilà. Hop là. Ouais, continue. On a quand même gagné 6 pièces. Allez. Complete quest, ok. Map room, et c'est reparti. On va aller où? La forteresse isolée. À chaque fois ça change en fait, hein. À chaque fois ça change. La forteresse isolée. Un héros local. Over helmet with a monster and... Ask us for assistance. Donc un héros local est surplombé sur... Enfin, il a des monstres jusqu'au dessus de la tête et il nous a appelé à l'aide. Ok, on va aller l'aider. On va reprendre notre chère Karina. Par contre, je préfère cette baguette là. On va essayer le sort de gel pour une fois, pour changer. Et l'œil du faucon, allez, c'est parti. C'est parti, on essaye différentes choses. Et demain, on essaiera le jeu d'aventure dont je vous avais parlé. Très très hâte de le tester aussi celui-là. La forteresse isolée. Ok, donc ça c'est notre bouquin. De froid, ok. Ok. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Here we go. Les aventuriers ne vont jamais tout droit, donc bien sûr, nous allons aller tout droit. On va encore aller tout droit. Ah non, là, on va d'abord s'attaquer aux ennemis. Qu'est-ce qui nous arrive, là? Une espèce de banshee. Enfin, moi, ça m'évoque une banshee, en tout cas. Et alors, une espèce de petit gobelin. De petit gobelin... avec un fusil à pompe. A priori, le gobelin, enfin, les gobelins... En fait, non, notre baguette, c'est bien mieux qu'un fusil à pompe, parce que c'est un dégât de... C'est un dégât un peu plus gros qu'un tir normal, mais à distance. C'est pas que courte portée, c'est... Vous voyez, les... L'amas de petites boules que je lui envoie sur la tronche, je peux le faire depuis l'autre bout de la map. Donc je peux le faire en étant en sécurité. Donc finalement, contre un boss, cette baguette-là, elle est bien mieux que l'autre, je trouve. Voilà. Alors, on va aller par là. Ah, alors. Soyons prudents. On n'est jamais à l'abri de se faire carotter. Ou pimenter la face. Ouais, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, petite carotte. Alors. Évidemment, un truc auquel je pense tout de suite par rapport au gameplay, par rapport au roguelike habituel, c'est-à-dire quand on pense roguelike aujourd'hui, enfin, pas forcément, mais moi en tout cas, quand je pense roguelike, tout de suite je vois une vue du dessus.
d'une succession de pièces. On va essayer le sort de foie. Et du coup, on a la vue sur tous les ennemis, c'est-à-dire ceux qui sont devant, derrière, etc. quoi. Et par exemple, Enter the Gungeon, Binding of Isaac, tout ça. Et on peut se faire avoir, mais pas surprendre. Enfin, comment dire ? On peut faillir à éviter un projectile, mais le projectile on l'a vu venir. Que ici, le fait qu'on soit en FPS, ça implique qu'on regarde dans une direction. Donc on peut regarder à 360 degrés, mais on décide d'en observer que a priori 120. Et c'est à peu près 120 degrés. Et du coup, on peut se faire avoir dans le dos. Voilà, donc cette explication longue et chiante de 3 minutes pour tout ça pour dire qu'on peut se faire avoir dans le dos. Bienvenue sur le stream de Blutch. Mais la musique est cool. Alors restez pour la musique s'il vous plaît. Hop. Allez, les petits zombies. Le tout c'est de rester en mouvement. Ça fait longtemps qu'on a plus fait un petit Overwatch avec les potes. Ça pourrait être cool ça. Ok, on va choisir une compétence. Ça augmente le rate de la baguette de 15%. C'est bien ça. Donc le rate c'est la fréquence. La fréquence de tir. Inner Wisdom. Donc sagesse intérieure j'imagine. On gagne un nouveau sort, et si on l'a déjà, le nouveau sort, attends, si on l'a déjà, la nouvelle arme fera 10% de dommages en plus. Non, on va faire ça, on augmente la fréquence de tir de la baguette. On doit aller par là. Ok, déposer ça là. On va quand même essayer de battre un boss ce soir. C'est quand même sympa de battre au moins un boss. Et je veux dire pas celui du tuto, hein, un vrai. Ah bah voilà, il est en face le boss. Il est en face, mais on n'a pas encore la clé, je crois. Oh là, les carottes. Hey. Faut éviter en fait de se retrouver. On est vraiment pourchassé par. Bon, attention. C'est pas mal, hein, le truc de froid là. La baguette de froid là. C'est pas mal du tout. Ok, on est niveau 3, si je m'abuse. Marché noir, perdez une arme aléatoire si on en a et on gagne plus 8 points de bouclier en échange, non merci. Et baguette expert, on augmente encore la fréquence de tir, je vais y arriver, de notre baguette. On va chercher du coup la clé pour le boss. Oh, on est dehors. Oh, c'est joli. Bon. C'est un cimetière. C'est complètement un cimetière. Pourquoi est-ce que quoi? Mais... ça peut nous tirer dessus, ça? Oui, visiblement. Ah, voilà un coffre. Et on a trouvé une mana stone. À la place de... notre amulette de faucon. Chose qu'on n'utilise jamais d'ailleurs. Hein. Ça c'est pour aller plus vite. Et l'autre... la mana stone c'est quoi? Bah c'est pour avoir plus de mana j'imagine. Je suppose. Bon. Ok, on va quitter cet endroit où on se fait tirer à vue. Et tout droit, bah je ne vois que tout droit pour avoir la fameuse clé du boss. Ah, attention au piège. Ah.
Ah ah. Elle est ici, mais... Ah, peut-être comme ceci. Voilà. On a la clé du boss. Moi, je propose qu'on aille directement au boss. Allez. C'est l'objectif. Allez, alors on va lui défoncer sa tête, c'est par là. On défonce la tête du boss. Voilà, ce qui nous amène gentiment à minuit. Ce qui est bien pour un premier... De petites heures, c'est bien pour un premier... Je veux dire, stream de reprise après ma semaine de boulot. Ah, I know you. J'ai une revanche à prendre avec cette machine de mort. Pam 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 pam. Est-ce qu'on peut tirer sur ce truc qui... Non, on peut pas. On peut pas. Je voulais tirer sur ce qui m'envoie dans la tronche. Histoire de pas me les prendre. Oh là là, on s'en prend plein la tête. Mais lui aussi, il a plus que la moitié de ses PV. Nous, on a un peu plus de la moitié des nôtres. Donc tout va bien. Enfin, tout va bien. Faut le dire vite, mais voilà. Ah, de la vie. Hop là, meurs. Aïe aïe aïe. Bon, en fait, il faut pas que je perde trop de vie et trop de... Sur ces minions, parce qu'ils sont quand même nombreux. Et c'est vrai qu'ils sont sciants, mais... Ça reste, lui, ma priorité, hein. Allez, hop. Allez, il a plus qu'un tiers de sa vie, et là, on était dans un coin, c'est pas bien du tout. Allez, hop. On récupère notre mana. On en profite pour buter lui, si c'est possible. Allez, oui. On a plus beaucoup de vie, hein. On va utiliser notre... Tiens. J'ai essayé de récupérer du mana grâce à l'amulette, mais je crois que je suis full mana. Ce qui me manque, en fait, c'est que ce sort, il y a un cooldown, en fait. Oh là là, allez, il a presque plus de vie, moi non plus, mais on reste concentré, s'il vous plaît. Oh là là, allez, oh là 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 là, au secours, il y a des projectiles dans tous les coins. Non. Bon, ben c'est pas encore maintenant qu'on aura le boss, mais c'est pas grave, on va l'avoir, je le sens, on finira par l'avoir. Bon, back. Ok. Contrôle, comment ça contrôle. Voilà. Bon, laboratory. Weapons. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Non, on peut pas l'améliorer. Heroes. On peut... Non mais non, il faut qu'on batte un boss, hein. Il faut qu'on... Voilà, on va battre un boss. Ah, merci, c'est gentil. La forteresse blanche. Bon. La rumeur dit que, en fait, c'était pas un homme, mais un poulet géant. Et sinon, la poulet dit que... La rumeur dit que dans les parties les plus... Deep Space, c'est profonde. Les plus profondes parties de cette structure sont cachées des anciens artefacts arcaniques de grande puissance. Allons les prendre. Bon. J'aime bien quand même le truc de froid. Donc on va faire ça. Allez, on y croit. D'ailleurs, on y croit tellement que je vais vous permettre de faire un petit pari. On va faire un petit pari. J'y arrive cette fois-ci. Alors, tableau de bord. Prédiction. Voilà, cette fois-ci j'y arrive. Comment c'est la prédiction? Vais-je
vaincre le boss de la zone. Bien évidemment. Pas cette fois. Et je vous laisse deux minutes pour battre. C'est parti. Hop là. Allez, on se concentre. Peut-être qu'il y a des joueurs qui croient en moi. On ne sait jamais, on peut rêver. La forteresse blanche, alors je me demande qui a baptisé cet endroit ainsi. Peut-être que de l'extérieur, elle est blanche. Je veux bien l'admettre. Bah alors, là d'ici... Bon. Ah, ça c'est la salle du boss déjà. Et il y a un truc là. Ah, il faut... C'est un coffre, c'est à la Diablo. Il faut survivre à la vague d'ennemis. Ah, les carottes. Attention aux puissantes carottes. Les carottes qui utilisent le même saut que moi, je trouve ça assez drôle. Allez, mourez, bande de légumes racines. Hop. Il semblerait que personne n'ait pris la peine de parier. Ben, c'est pas grave. On est quand même motivé. Allez, on se concentre. Il y a sans doute une arme sympathique dans le coffre là en bas. Ah, j'ai pas vu. Enfin oui, il faut que vous... Oui, c'est ça. En fait, si vous n'envoyez pas le message après, je ne vois pas le petit 2 ou le petit 1 et tout sur à côté de vos pseudos. Du coup, je ne me rends pas compte. D'accord. Et du coup, Ninurta, il a parié que j'y arriverais pas et Jidan, il a cru en moi. Intéressant. On va voir qui aura raison. J'espère vraiment que Jidan aura eu raison de croire en moi. On est à la quatrième vague sur 5. Pour ceux qui débarqueraient, le pari ne partait pas sur cette pièce-ci, mais sur le boss de zone. Oh, qu'est-ce que ce truc, c'est énorme. Et ça fait aussi une inspiration Doom, ça. Ouais, carrément. Bon, le contraire était très étonnant, mais les créateurs de jeux ont d'office joué à Doom. Pas à Doom, il y a des machins comme ça, mais ils ont pas d'ailes, en fait. Ils volent... ils ont un seul œil comme ça et ils volent sans aile. J'ai surtout voté le contraire de Ninurta, histoire que le pari serve à quelque chose, je n'y crois pas plus que ça. Merci beaucoup de tes encouragements, ça fait tôt au cœur. Victory! The sealed chest is now ready to open. Bookworm. Livre de verre. Une additional perk chose upon level up. Ok, on peut choisir une compétence supplémentaire quand on monte de niveau. Merci. Attends. Je te tourne pour te galvaniser, tu te doutes. Merci de me soutenir moralement, Jidan B. Bon. Aïe. Allons chercher cette clé de boss. Je sens qu'elle est par là. Ça sent la clé de boss par là. Pas du tout, il n'y a rien ici. Apparemment, il n'y a rien ici. À part des ennemis. Bon. Ça fait mal quand même, hein, le truc de froid. Ça fait mal et puis ça gèle, donc c'est quand même top. Moi j'aime bien. Je ne vois pas où est le dernier ennemi, il est peut-être là-dedans. Ah, ils sont là-bas. Ils sont à l'intérieur du bassin.
Voilà. Il est tout seul. Voilà. Fantastique. Fantastique. Allez. C'est parti. Cette salle est énorme. Ok, allez, hop là. On va essayer de pas perdre trop de vie avant le boss, parce que bon, le boss c'est quand même... c'est quand même chaud, ça fait quand même trois fois que un boss de zone nous pète, donc on va essayer d'économiser notre vie dans des salles où on a juste à gérer des minions sans boss. Et on a plus beaucoup de mana. On m'a dit à l'oreillette que c'est le mana que j'aurais dû économiser pour le boss. Mais c'est pas grave. Regardez, il y a du mana ici, il y a du mana. Putain, mais ils sont 12 000. Vivement qu'on augmente un peu... qu'on avance un peu dans le jeu et qu'on a un peu plus de trucs de zone, etc. Ça pourrait être pas mal. Parce que là, c'est un peu tristounet. Notre petite baguette, elle est un peu tristounette. Après ça va, ça fait du dégât, mais bon. Ouais, honnêtement, voilà, c'est un peu ridicule, ça fait un peu piou-piou, mais ça fait du dégât. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est pas infini non plus, il y a une forme de, entre guillemets, de surchauffe. Vu que on perd de la mana, il faut qu'elle revienne avec le temps. Il y a plein de mana bleue là-bas. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas que j'oublie, c'est que j'ai la capacité de repousser les ennemis. Voilà, victory! For kingdom and glory! Et on a 100% de vie, ça c'est cool. Coupe la peau aux minions et pète-moi ce boss, oublie pas ton amulette en cours de game et bon sang, rappelle-toi que tu sais dasher. Ah c'est vrai, j'oublie ça. T'as pas ton grimoire de givre de zone. Mais si, ça. Bravo, mais surtout, n'oublie pas de mourir. Bande de... Bon, la clé du boss, elle est par là, bien sûr. Oui! On va aller directement au boss, du coup. Ou alors, on explore encore un peu? On explore encore un peu, au cas où il y a un truc intéressant. Ah, voilà des banshees. Voilà. Le cri qu'elles font quand elles meurent m'indique quand même que ce sont concrètement des banshees. Hein. Alors les banshees, pour petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, il me semble que... Donc moi j'ai découvert cette créature dans Warcraft 3, hein, comme beaucoup de gens je crois, que c'était une créature mort-vivante, qui avait la capacité, quand elle était améliorée au maximum, très chiante, de venir prendre le contrôle d'une unité adverse. Mais pour le folklore, c'est un fantôme, je crois, qui vient plus ou moins d'Écosse et qui hante les demeures... je crois que c'est un fantôme d'une famille ou quoi qui hante sa dernière demeure, quelque chose comme ça. Et ça vient d'Écosse. Mais alors pour plus de détails, il faudrait que je me renseigne. On dit toujours une banshee et c'est toujours une femme, donc il y a peut-être une histoire de mariée là-dessous. Dans la mythologie celtique, ah ok. Tous de perk, ah oui, je peux choisir une perk. Spécialiste. Random mana pool will increase its capacity by 20% et lower mana users by moins 10. C'est cool ça. Knowledge gem with experience, ça c'est bien. Et la vie maximum est augmentée de 10. On va faire ça. Plus de vie. Alors, plus de mana. Get a new alchemy weapon. If you already have one, the new weapons deal plus 10 dommages. Je crois que j'ai pas encore d'armes d'alchimie. You switch weapon 1% faster. Non. Enfin, quoique.
Allez, on va essayer notre nouvelle arme. Attends, il y a plein de niveaux qu'on n'a pas fait en fait. C'est une messagère de la mort qui gueule. Faut pas la voir comme voisine en somme. Ok. Ils utilisent l'ensemble dans une histoire, j'ai perdu d'avance. Mais non. The size of all mana pool by 10%, c'est cool ça. Ah, on va prendre du bouclier. On va prendre du bouclier. Ok. Ah, du coup maintenant on a le tromblon nain, en plus du reste. Ça c'est cool. Comme quoi ça vaut la peine d'explorer un peu avant d'aller faire le boss. Defeat all the enemies. Bon. Alors. Coucou toi. Ça c'est sympa avec le tromblon nain, c'est qu'on one-shot beaucoup de trucs. Hein. Ah, on one-shot même les Banshees. Enfin, les Banshees, c'est moi qui ai décidé que c'était des Banshees, mais... Mais donc effectivement, d'après ce que nous dit notre cher Ninurta, les Banshees seraient reconnaissables à leur cri. Et y a pas une histoire de marié, c'est quand une femme meurt entre sa demande en mariage et les noces, ou un truc dans le genre, ou... Parce qu'il me semble qu'elles sont souvent un peu en voile de mariée, hein, les Banshees, non? Donc y a peut-être une histoire de mariage au niveau du lore, je ne sais pas. Alors, bon, il n'y a rien ici. On va aller voir là-bas. Ah, là, on a la pièce. Qui peut nous apporter quelque chose. Ouh, ça devient un jeu de plateforme, mesdames et messieurs. Dieu sait qu'on a horreur des jeux de plateforme en 3D. Enfin, surtout en FPS. En 3D, Jak and Daxter, c'est parmi mes jeux préférés. Hein, bon, hein. Donc, on peut dire qu'on a horreur de ça. Roof Skin, Friendly Fire Immunity. Ouais, Friendly Fire, c'est multijoueur alors. Ou alors c'est quand on a des bots qui nous aident. Ah, mais on a 5% incoming elemental damage. J'ai l'impression que si je le prends, je suis immunisé au Friendly Fire, ce qui est très bien, mais comme il n'y a personne qui me tape, enfin, comme il n'y a pas d'amis qui me tape, est-ce que c'est vraiment utile? Parce que sinon, ça enlève mon armure de 5% pour les dommages élémentaux. Je vais quand même le prendre, mais j'ai l'impression que c'est pas. Moins 5% une coming de. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas forcément. Topissime. Mais peut-être que j'ai mal compris. Pas spécialement des presque mariés, en tout cas le futur marié a eu de la chance en soi. Chose de peur qu'il n'est pas assez gros le message. Ça va. Mana pool increase by 20, ça peut être bien. New spell. Ah, et si on a déjà un spell, il fait plus de dégâts, c'est bien ça. Bah pourquoi est-ce qu'on a un spell là? On avait déjà un spell. Ou alors peut-être que... Celui-là fait plus de dégâts maintenant. Oh oh, ça c'est cool. C'est un peu un ho ho à la Freezer je trouve. Wouhou. Alors... Burn. Craignez ma puissance. Ma puissance. Bon. Pic, pic, pic. Bon. Le tromblon nain, le fameux tromblon nain. J'ai l'impression que c'est quand même mon arme la plus badass. En tout cas au cac.
Voilà, victory. On va garder ce tromblon nain pour faire du cac contre le boss, parce que franchement, c'est quand même balèze, j'ai l'impression. Et on a toujours pas le... l'accès à la salle. Passer sa vie avec un truc qui te crie dans l'oreille jour et nuit, autant se faire moine, ouais, j'avoue. Bon. Ben, on a tout exploré, on n'a pas la clé pour ouvrir ça, j'ai l'impression. Bon, j'ai loupé un épisode, on a chopé la clé et j'ai pas vu. Unlock door. Oh, on avait la clé, je me souviens plus. Quand t'es moine, tu écris toute ta vie, c'est pas très loin. Alors, si on prie à l'hôtel, on sacrifie 20 de mana pour de l'aide. C'est utile le mana, bon allez, on va sacrifier. Sacrifions du mana, et il nous dit quoi? Double one damage in the next combat. Oh, ça a doublé les dégâts de notre baguette pour le prochain combat, ça c'est cool. Mais le prochain combat, mesdames et messieurs, ça va être le boss. Alors, est-ce que Jidan va gagner son pari? Ce serait con qu'on tombe sur un vieux combat tout pourri avant le boss. Et comme ça, on gâcherait notre pouvoir. Et par ici. Ils sont grands les donjons quand même. Hein. Enfin, c'est le côté FPS qui fait qu'ils ont l'air grands, je trouve. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, le boss, bon courage, poulain, utilise ta tête. Ah oui, utilise ta tête. Oh, il est mignon lui. Black Mask, Goblin Vigilant. Oula. Oula, oulala, oulala. Oh là, ça brûle. Ça brûle. Bon, faut faire gaffe aux feux d'artifice là qui viennent du ciel. Et moi aussi je peux brûler. Burn. I see fire inside a mountain. Oh, y a pas, la musique est super classe. Hein. Ça vous mettez Oulala, non, tout va bien. Voilà, victory. Je crois que lorsque le boss est down, tous ses sbires ont été down, j'ai l'impression. Première fois que le son est utilisé, merci beaucoup Jidan. Ça fait plaisir, un son positif, c'était une bonne idée de le rajouter, merci à toi. Merci Nurta. Berserker, increase damage deals by 30% when you're below 35% heals. Ok, on fait plus de dégâts quand on a moins de vie. Le maximum de vie descend, mais en échange d'un plus 25% de dommages permanents. Ah, j'aime bien. Allez. Je crois que nous voilà dans le deuxième niveau du donjon. Pour la première fois. Écoutez-moi ça, cette musique. White Fortress Final Floor. Ah bah il n'y avait que deux niveaux, on est au deuxième. Donc. Voilà. Va-t-on réussir? Vous savez quoi? Voilà, tac. Je vais tout de suite récompenser Jidan. Avant d'oublier. J'ai tendance à oublier parfois. Enfin, ça m'est déjà arrivé, c'est sûr. Donc bien évidemment, c'est parti, terminer la prédiction, voilà. Je suis pas un devin, je suis un malin. C'est tout. Là. C'est tout. Là. Hey, Hail of Twilight. Si on le prend, ça remplace quoi?
Ah mais ça remplace rien en fait, c'est juste une arme en plus. Ok, bah c'est bon à prendre. Ah et en fait ils utilisent tous une un mana différent. Ouh là là, attention au... Attention au picot. Ah voilà ici à droite la pièce de récompense. Ton éternelle récompense. On peut prier là, à l'hôtel. Ok. Ben on va le prier. Hein. Prions l'hôtel. J'ai pas compris ce qu'on lui sacrifie à lui. Unlimited mana on the next combat. Oh, mana illimité au prochain combat, ça me donne envie de trouver directement le boss. Le boss est là. Après, il faut la clé. M'étonnerait qu'on trouve la clé directement. Ah, là, on a mana illimité du coup. En fait, on devrait aller aux hôtels juste avant d'aller au boss, hein, systématiquement. Parce que si ça fait des bonus pour le prochain combat, j'aime autant avoir les bonus contre le boss que contre les prochains mobs que j'encontre. Aïe. Ne jamais tirer sur des piments au corps à corps. Ah, c'est le son de vie des enfants. Voilà. Voilà. N'oublions pas qu'il y a le sort de repousser, on s'en sert jamais. Defeat all the enemies. Ce qu'il y a, c'est que si on se retrouve au milieu de tout ça, c'est chaud. Hein. Faut essayer de les mettre tous... Ouf. Voilà, qu'est-ce qu'on a pris cher sur cette salle. C'est honteux. C'est honteux à quel point on a pris cher. Voilà. Ouais, ça va, la vie, j'ai l'impression qu'elle est un peu revenue, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment pris cher. Ok. Toujours pas de clé de boss. Alors, attention. Je suis content de ne pas avoir parié sur la suite. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Ça va bien se passer. Voilà, ça se passe très très bien, regardez-moi ça. Voilà. Bon après on utilise nos meilleures armes, donc c'est peut-être pas top, on va repartir à la baguette pour économiser pour le boss. Il reste un ennemi là-haut. Illusionniste. Voilà! Victory! On va prendre du coup une... Alors on est à quel niveau d'ailleurs? Je ne sais même pas. Alors on récupère de la vie au début d'un combat, ça c'est bien. Une arme est choisie de manière aléatoire et fera 10% en plus de dégâts. Et aura beaucoup plus 10% de allez rate de je l'ai déjà dit 12 fois de fréquence de tir et la vie maximum est augmentée vers. Je vais prendre une nouvelle arme, je suppose que c'était ça, une nouvelle arme et qu'elle faisait plus de dégâts. Le problème c'est qu'on a plus beaucoup de mana pour celle-là, mais bon. Alors, c'est par là. Enfin, je suppose, en tout cas. Parce que la dernière salle qu'on n'a pas explorée, c'est par ici.
Alors, tac, tac, tac. Ah bah voilà, la clé du boss est là. Ça c'est fait. J'imagine que là-bas il doit y avoir la clé de la salle... de la salle bonus. On va voir, j'ai pas l'impression. Bon. Allez, on se concentre. On va économiser le tromblon nain parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts pour le boss. Ah, ça aussi ça fait pas mal de dégâts. Hein. Ça fait pas mal de dégâts mais on a encore beaucoup de munitions donc ça va. Voilà, voilà. Ah, mais je viens de voir que sur la map en haut à gauche, on voit qu'on a la clé bleue et la clé rouge. La clé bleue donne accès à la super salle, la clé rouge donne accès au boss. Donc allons déjà à la super salle. Voilà. Je sais pas où on l'a trouvée la clé bleue d'ailleurs. Mais c'est bien de voir qu'elle se met sur la map. Vous la voyez, hein, de... Ouais, vous la voyez. Ah ouf, fait mal ça. Aïe. Oula. Voilà. Freezing Hail, bah c'est déjà ce qu'on a, non? Et si on le prend, il fera plus de dégâts, du coup? Ah, level 2, du coup. Mais non, c'est pas ça, pick up. Voilà, du coup, on a... Eli Chamber, et on a Freezing Hail, level 2, ok. Donc on a un bouquin de froid, niveau 2. Aïe. Plus beaucoup de vie, hein. On a quand même pas beaucoup de vie pour arriver au boss. C'est pas la fête à la saucisse, hein. Et on a perdu beaucoup de vie sur les picots, c'est honteux. Ursula de Sinister. Darkseer. Bon. Est-ce que le Darkseer peut être congelé? Bon. Oh là 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 là. On a vraiment pas beaucoup de vie. J'aime bien les passages chantés un peu comme ça. Ça fait un peu vite fait musique de Witcher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pensé que un jour je recommencerai le Witcher 3 en mode difficile et je le streamerai, ça pourrait être sympa. De la vie! De la vie, de la vie! Et du mana. Je crois que ce qui fait le plus mal c'est notre bouquin niveau 2, hein. Bah il me semble, non? Hop là! Est-ce que vous seriez intéressé à voir, enfin à revoir à mon avis, puisque. À mon avis, vous la connaissez déjà pour la plupart. Pas tout. Jidan, je crois qu'il connaît pas. Et ça lui plairait d'ailleurs. Est-ce que ça vous intéresserait a priori de découvrir ou de redécouvrir l'aventure de Witcher en ma compagnie? Aïe aïe aïe. Ah, une barrière à la con. Alors on se concentre sur elle, on se rappelle que, a priori, quand elle meurt, les autres meurent. Ben voilà, elle est morte. Elle est morte, elle est morte, elle est morte. On va reprendre de la vie. Ben c'est super. C'est super, choose the perk. Mais ça sert à rien vu qu'on a gagné, j'imagine, mais... get one random perk, non. Increase your movement speed. Allez, on va prendre ça. Pour moi, on a fini le donjon, là, donc... De redécouvrir The Witcher, toujours. T'as perdu 46 PV pour ton bouquin, savoure-le. Et j'ai gagné, j'ai gagné.
J'ai gagné Zidane. Malgré les 46 points perdus. Oh, 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 oh. C'est un joli jouet. Energy Blaster. Oh, ben ça valait la peine. Solstice. Le solstice, c'est pas en été. Et c'est le solstice d'été, du coup. Ok. Spirit Branch. Dwarven Blunderbuss. Mastery level. Je suppose que ça améliore tout ça. Hein. Je suppose. Ah bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, ah bah le bread. Elf plus 10, ok. Ok, laboratory. On a des upgrades. Amulette, on a des upgrades. Falcon Wings. Ça fait très... Falcon Punch. Falcon Wings, ok. Et quoi? Ah oui, il faut cliquer dessus. Et pour 8, on peut diminuer le cooldown. Mais on s'en sert pas beaucoup. Donc on va garder nos sous pour l'instant. Weapon, ok. Ah, le tromblon nain, plus de dégâts, ça je veux bien. Ça je veux bien. Ça je paye pour plus de dégâts avec le tromblon nain. Le freezing ail, plus de dégâts, je paye aussi, pas de souci. Le feu, plus de dégâts, je paye aussi. Et la branche spirituelle, plus de dégâts, bon bah allez. Hein. Voilà, comment on utilise intelligemment ses sous. Plus de dégâts. Mesdames et messieurs, il est passé minuit 24, c'était sympathique, 2h20 hein, de découverte avec vous, avec un petit match d'Age of Empires 2 avant ça. Merci d'avoir suivi, content de vous retrouver, Ninurta, je savais plus depuis 4 jours, en même temps j'ai pas streamé depuis 4 jours, donc merci d'être fidèle au stream de Blutch et de venir nous faire coucou. Jidan, merci d'être passé. Toi et moi on se voit régulièrement en dehors des streams, mais c'est super sympa, ça me fait toujours plaisir quand tu passes sur les streams. On se retrouve demain pour la découverte du fameux jeu d'aventure dont je vous avais teasé la découverte cette semaine. Les gars, ciao, que ça aille bien, à la prochaine. Et la souris est bloquée, je peux pas. Ciao.